Avec le Forza 125, Honda montre depuis 2015 ce qu'il y a d'autre dans le thème du scooter, avant tout, le confort, la souveraineté et l'efficacité. Le millésime 21 va encore plus loin en termes de caractéristiques. Honda a conçu le Forza dès le début pour améliorer le segment des scooters. Les Japonais voulaient offrir plus que de simples protections anti-éclaboussures pour les jambes et un entraînement compact. La construction avec cadre tubulaire sans passage libre assure une stabilité extrême, tandis que les dimensions étaient moins axées sur la compacité que sur le confort maximal pour deux. L'empattement long assure une douceur agréable, l'équilibre et l'ergonomie sont équilibrés et conviennent également aux longues distances, une vertu qui n'est pas évidente dans le segment des scooters, qui est par ailleurs principalement conçu pour une utilisation urbaine. De plus, il y a un réglage souverain de la suspension, qui aplanit les coups durs et les longues vagues de manière égale. Plus récemment, Honda a également systématiquement choisi son Forza comme leader de l'innovation dans ce segment. Pour la première fois, il y avait des caractéristiques telles que le pare-brise à réglage électrique, le système de clé intelligente ou la prise de charge 12 volts. Dans l'univers des scooters de Honda, le Forza est ce que la Golf est pour VW, à savoir un modèle central et polyvalent universel. Qu'est-ce que le nouveau Forza 125 peut faire de mieux? Elle est restée fidèle à ses vertus ancestrales. Même avec la plus petite cubature de cette série, il n'est pas avare de performance et représente toujours la haute technologie jusque dans les moindres détails, mais jamais comme une fin en soi, mais toujours pratique. Si vous ne voulez pas seulement parcourir la ville avec votre scooter, mais que vous aimez viser la distance moyenne, vous en aurez pour votre argent ici. Avec un prix d'entrée de gamme à partir de 5 690 €, il se démarque considérablement de ceux du scooter d'entrée de gamme Honda PCX, mais il y a aussi beaucoup à offrir, une expérience de conduite vraiment riche, beaucoup d'espace de rangement grâce au top casse standard, ainsi que des caractéristiques de sécurité et de confort de la ligue supérieure de moto. Le système de clé intelligente pour le démarrage sans clé et le verrouillage automatique du siège, du bouchon de carburant et du top casse est de toute façon de série Honda, tout comme le dispositif de démarrage arrêt automatique. Quiconque a déjà été sur des passages rapides par voie terrestre appréciera également les avantages du pare-brise réglable électriquement, qui peut maintenant être étendu de 4 cm plus haut et offre ainsi une meilleure protection. Le nouveau moteur Euro 5 atteint toujours la limite de classe de 15 chevaux en termes de performance, et le contrôle de traction fait désormais également partie de l'équipement standard. Avec les freins puissants mais finement contrôlables, y compris l'ABS à double circuit, le Forza 125 est également recommandé comme scooter toute saison. Dans le cas de la Honda Forza 125, l'introduction de la norme d'émission Euro 5 pour les deux roues a eu un impact positif. Le moteur à 4 soupapes à injection électronique puise dans le pool complet de dots d'efficacité, ce que Honda peut actuellement offrir techniquement est également ici. Le couple maximal est maintenant disponible plus tôt, ce qui rend le moteur de 8e litre plus élastique et subjectivement plus puissant qu'auparavant. Si vous y mettez votre esprit, vous pouvez atteindre une vitesse de pointe de 108 km/h, et parce que c'est une Honda, le Forza peut le faire comme une performance continue. En fonctionnement normal, cependant, il est extrêmement frugal, la valeur catalogue de seulement 2,3 litres au 100 km a pu être confirmée lors du test sans aucune contrainte particulière sur la poignée de l'accélérateur avec un écart minimal vers le haut. Le réservoir, d'une capacité de 11,5 litres, est assez généreusement dimensionné, permettant une autonomie pratique de près de 480 km sans s'arrêter à une pompe à essence. Comment se conduit la Honda Forza 125? Bien que fondamentalement étroitement liée,
le moteur fonctionne encore plus silencieusement que, par exemple, dans le PCX plus simple, le calcul du poids supplémentaire pour plus de puissance est clairement en faveur de ce dernier. La Honda Forza 125 s'accroche très directement à l'accélérateur, mais transmet déjà le concept de confort et de facilité à vivre dès les premiers mètres. Sur une bonne surface de route, ce scooter est un planeur silencieux, mais il peut gérer un sol pire avec désinvolture et confiance. Ici, l'empattement long a un effet tout aussi positif que le découplage plus complexe du châssis, la géométrie sophistiquée de l'essieu et la suspension de haute qualité. Le châssis reconnaît également un freinage plus violent avec seulement des mouvements de roulement minimes. Dans l'agitation de la circulation avec des manœuvres plus serrées, le Forza 125 avec ses dimensions de confort semble d'abord un peu luxuriant, mais il suffit d'un peu de temps pour s'y habituer pour les utiliser précisément ici aussi. En outre, les réserves de sécurité élevées transmettent tellement de confiance en soi et de souveraineté qui sont autrement plus susceptibles d'être ressenties par les motos complètes à partir de la ligue de milieu de gamme. Résultat, la Honda Forza 125 est et reste le modèle central de l'univers des scooters Honda. L'accent mis sur le confort et ses qualités globales a été affiné avec l'année modèle 21. Le fait que le scooter reste si facile à utiliser est un vrai plus pratique. Si vous voulez sortir de la ville et utiliser le scooter non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi pour des excursions le week-end, sans plus tarder aussi en couple, vous serez plus que bien servi.